Hello tout le monde, aujourd'hui match face au Stade Français. J'espère que vous allez bien parce que nous, on est en forme, notre équipe est à 7 matchs, 7 victoires. On est à 5 journées de la fin de saison, hein, vu qu'il y a 12 matchs, hein, 6 matchs aller, match retour. Vite fait, on va regarder, on avait fait la gestion d'équipe ensemble à la fin de la dernière vidéo, donc voilà, hein, vous allez voir tranquillement notre compo au moment de la présentation des équipes. Voilà. Quelle faute est sifflée lors d'un hors-jeu? Pénalité, coup franc ou mêlée? Alors si c'est un hors-jeu involontaire, ce sera une mêlée, mais là je pense qu'il veut dire voilà, une pénalité. Disons hors-jeu, hors-jeu involontaire. Ouais, je vais vous laisser les compos. On va voir un peu la compo du Stade Français aussi, ça sera l'occasion. Mais oui, notre équipe solide. On a deux blessés hein, qu'il faut faire avec. Yann David et Semessa Rokodoubouni. On a des joueurs derrière hein, pour remplacer. Le seul endroit où on a vraiment des soucis, c'est en deuxième ligne. Où, au final, ben, pour moi, il n'y a que Virag et Jolmes. Le reste, ça ne me convient pas. Alors, il faudra voir hein, si on peut faire des tirages au poste. Je ne suis pas sûr. Ce sera l'occasion de voir après, vu que on n'a pas trop pris de temps avant. On pourra regarder après si on peut faire des tirages par poste. Voilà. Donc la compo du Stade Français, Béthune, Allo Emile, Bonfi. Ah ben ça va super vite. Ça va très très vite. D'un autre côté, vous la connaissez, hein, notre équipe. Oh, ça va super vite. Bon, ben, faites une pause, clac. Si vous voulez voir un peu notre compo. Mais sinon, on l'avait vu ensemble. Notre joueur, allez en bas, c'est parti. On va essayer de bien jouer notre match pour aller chercher notre 8e victoire consécutive. Attention, est-ce qu'on peut le tenter? Le petit côté, Raka, Raka. Okay, il va rester debout. Allez, regardez, on avance. On est en train de mettre à mal cette défense du Stade Français dans ce mall. On est en train de bien avancer. Là, on les met. Ils ont du mal à arrêter notre mall. Allez, on va la sortir avant d'être complètement arrêté. James Kirsten, Marchand. Allez, Ian Witten, Alex Cuthbert qui a fait un gros match la dernière fois. On a tenté le prochain, mais bien plaqué par l'arrière du Stade Français. Lugani qui résiste à un plaquage. Allez. Ou Jones, la petite passe supplémentaire. Oh, c'est pas mal fait dans l'axe. Oh, l'interception, on a tenté de revenir sur Jolmes. Oh, on a récupéré la balle, c'est bon. Allez, Raka, le truc, c'est qu'il est pas lancé. Donc c'était difficile. Let's go. On va revenir à l'intérieur. On va retrouver Virag et ses avant tranquillement. Allez. Ouais, ils défendent bien, on n'est pas trop mal. Allez, let's go. Non. Hop, la petite chistera. Ouais, parce qu'on a vu que ça allait pas passer. Ils défendent bien, donc qu'est-ce qu'on fait? On va jouer un jeu pied d'occupation, mais ils s'en sortent bien. Mais ça peut permettre une belle relance. Marchand, allez, Raka. Il avait quelques mètres devant lui. Oh, Raka qui casse un plaquage, c'est pas mal ça. Merci. Allez, Marchand, on avance. Bon, on commence bien le match, on domine, mais dominer n'est pas gagné. Ouais, on tente des combis, vous avez des petites croisées. Mais pour l'instant. Allez, Ian Witten. Oh, on a essayé de. On a paré. Oh, on a conservé la balle, ça a été laborieux, mais c'est fait. On a tenté une petite passe main, ça passe pas. J'essaie de faire des effets, mais ça marche pas. Alors on fait absolument n'importe quoi. Alors le jeu est assez gentil avec les passes un peu faux-folles. C'est déjà la mi-temps. On est complètement bloqué. C'est déjà la mi-temps. Ça arrive super vite. Allez, on va faire entrer François Cross à la place de Toulouse. Ça peut peut-être apporter un peu plus, on va voir. Hein. Mais ouais, je suis embêté. Grosse défense du Stade Français sur ce match. Et le match, on a eu l'impression qu'il est passé très vite parce qu'il n'y a eu quasiment aucune interruption en fait. Voire aucune. On réfléchit. Stade Français, keep the ball. Genre pas de mêlée, pas de touche, rien de tout ça. Allez, on a récupéré la balle, mais c'est Raka qui est... C'est un très bon. Regardez. On a envoyé tous nos équipiers à gauche.
Ça va pas très bien marcher tout ça. Allez, peut-être encore, encore, on a qu'un, le petit jeu. Stuart Hogg, Stuart Hogg lui peut faire la diff. Eh ben non, même pas, même Stuart Hogg ne fait pas la diff. Allez, Cuthbert. Oh, il est passé, un crochet. On joue dans leur camp, hein, mais. Ian Whitten. Allez, on avance. François Croze qui est rentré en mi-temps, mais on est déjà à la 60e. Et on va perdre la balle. Jolmes qui vient au plaquage, heureusement. Mais le Stade français va pouvoir mettre la main sur le ballon. Raka qui s'est fait passer. On va plaquer. Attention parce qu'on a le loup qui a un point de nous. Allez, Lesbourg. Ça c'est pas mal. On pourrait. Ah, je prendrais bien Raka là. Voilà. Allez, Raka. Raka à la course. On était pas loin. 67ème minute. On récupère pas la balle malheureusement. Allez. Allez, on n'y arrive pas, les gars, on n'y arrive pas. Alors, ils vont peut-être finir par jouer au pied, non? Bon, ça pourrait leur coûter cher quand même, ce ballon. Perdu, est-ce qu'on n'irait pas avec les gros, sauf qu'on est arrêté. Je sais pas trop quoi faire. Peut-être un peu plus de profondeur, les gars. Ian Whitten, Raka, il est bien pris. On va y aller avec un marchand. Un marchand, il est de suite pris. Vous savez ce qu'il reste à faire quand t'arrives pas à avancer comme ça. C'est où Jones? On l'a mis, le drop de la victoire à la dernière seconde. C'est où Jones qui a pris les choses en main. On n'a pas réussi à passer. Quelle défense du Stade français! Et au moment de la cloche, on vient marquer ce drop qui donnera la victoire. C'est plutôt cool. Compliqué, ce match a été assez difficile. Ben voilà, succès déverrouillé. Allo Mora. Petite blague version Harry Potter, ça doit être marqué à la dernière seconde. Je ne sais pas. En tout cas, ben c'est gagné. Pour la saison 2019-2021, quel est le nombre moyen minimum de joueurs GIF alignés par feuille de match? Je sais pas ce que c'est. Un match amical face aux Chiefs, on va le passer. Noter 85, ça va piquer. Les matchs amicaux, on les fait pas. Hein. Moi, je veux juste faire. Même la Coupe du Monde, on la fera pas. On fera juste. Voilà, saison régulière face au loup. Si on avait fait match nul, honnêtement, ça nous mettrait beaucoup plus sous pression. On a des joueurs qui sont en plus en forme. Bon, je pense qu'on va garder cette équipe. On va être face au loup à 82. Ça va pas être facile. Regardez, 8 matchs joués chacun. On a 5 points d'avance, mais s'ils nous gagnent avec le bonus offensif sans nous laisser le bonus défensif, eh bien, ils peuvent revenir à égalité, voire nous doubler différence de points. On a un meilleur goal average, on est à plus 155, à plus 122. Mais s'ils nous mettent une grosse raclée, ils nous doubleront. Bon, il faut qu'ils nous mettent une grosse raclée. Mais s'ils nous battent juste, après, ça peut mettre la pression sur les derniers matchs, parce qu'il restera encore 3 matchs. Après celui-là, il reste donc 4 matchs. Hein, 9, 10, 11, 12. Il reste 4 matchs dans cette saison pour arriver aux phases finales. Écoutez, on va voir. Pour l'instant, ça se passe bien. On a une équipe qui tient la route. Mais voilà, on va vite vite regarder, j'avais dit, pour voir si elle est vite. C'est dans ma collection, mais c'est acheté booster. Est-ce qu'il y a par poste? J'ai pas l'impression qu'il y a par poste. Donc, c'est pas très intéressant pour nous. Parce que, enfin, on en fera d'autres tirages, évidemment. Mais voilà, joueur supérieur, ça peut être intéressant pour avoir des bons joueurs. Mais bon. Voilà. Booster, mix normal, t'as bon. On va tirer quelques boosters. Voir s'il y a des trucs. Après, c'est les défis et les bonus, on s'en fout un peu. Mais bon, si on tombe sur un joueur cool, on sait jamais. Non, bon. Si on tombe. Pourquoi pas sur un deuxième lien? On a du temps, les gars. Voilà, j'espère. Pour l'instant, c'est des trucs, on va pas avoir des trucs fous. Ça de tirer. Après, on peut les revendre, je pense. Je présume. Pour avoir des sous. Fighter.
pas de deuxième ligne, une deuxième ligne, voilà, je demande pas une très bonne deuxième ligne, Rick, lui on connaît. Je demande juste une deuxième ligne qui, voilà, qu'on connaît, qu'on voit régulièrement rarement, que ce soit en première type ou en top 14, voilà, même s'il est pas super bien noté. On fait tous les tirages. Hein. Bonus supérieur, je sais pas, peut-être qu'on va avoir un joueur bleu, donc un joueur pas trop mal. On a plus de joueurs, c'est pas fou. Ça, je pense que je peux les revendre, hein. Faudra voir. Donc, je m'en sers pas de ces trucs, mais je crois que chacun peut être vendu 50. Même s'il y a marqué ça. Allez, on va voir celui-là. Est-ce qu'on a un truc cool? Bon, ben voilà, c'était pas fou. C'était pas fou, mais. Je crois, si tu vas dans solo, ou pas dans solo, dans My Squad peut-être. My Squad, tac. Si on va dans gérer mes cartes. Alors je veux pas les joueurs. Comment on fait? Combiné. Mes cartes, mais pas les joueurs. Parce que là il y a que des joueurs en fait. Alors attendez. Là, je ne sais pas où on les retrouve nos cartes. Mais je suis. On peut pas les revendre nos trucs. Ben je sais pas. Je ne sais pas ces trucs. Si vous savez vous, n'hésitez pas à me dire. On peut pas la simuler. Bonus et défi. Ah c'est là. Ah oui c'est là. On peut pas les vendre. Choisis les cartes à utiliser pour votre prochain match. On peut que les utiliser. Bon, faut penser à les utiliser. Marquer deux essais, jouer de nuit. Bah oui, mais si, c'est pas... Ah, mais ça me donne des avantages. Hein. Valeur de vente, 100. Mais oui, mais je vois pas où on peut les vendre. Je sais pas où on peut les vendre. Bon, je regarderai de mon côté, je vais pas vous embêter avec ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Une victoire sur le fil. Trois petits points, un petit drop de Wood Jones à la fin. On se retrouve pour le match face au loup, le premier face au deuxième. Est-ce qu'ils peuvent vraiment nous mettre sous pression? Honnêtement, si on gagne ce match, on peut le dire. C'est quasiment assuré le top. La place de premier, donc ben voilà, hein, ça sera cet objectif là. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et nous on se retrouve pour le match face au loup. Allez, à très vite, bye bye.